Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour tester Battleground. Donc on va avoir à peu près une map avec 100 personnes, et le but c'est d'être le seul vivant. Donc comme vous pouvez le voir, on est avec un perso qui a rien du tout sur lui. Il y en a même qui sont en sous-vêtements. Je sais pas comment ça se fait, je me retrouve avec des cheveux roux. J'ai chipoté, je crois, avant-hier et pour faire mon perso. Et je me retrouve avec un look improbable. En vrai, il est censé avoir des cheveux rasés comme moi. Donc, je vous dis tout de suite, mon espérance de vie là-dedans est quasi nulle. Hein, surtout qu'avec ma poisse légendaire. Avec ma poisse légendaire, je toujours sur des bâtiments, il n'y a rien du tout comme comme stuff. Ah, on sait nager, on sait utiliser des véhicules. Alors la map va se rétrécir au fur et à mesure, vous allez voir. Et si on n'est pas dans la bonne zone, ben, on se prend du gaz et là on risque de mourir. Voilà. Donc voilà. Regardez comme tout le monde a l'air heureux. Tout le monde est roux. Regardez comme tout le monde a l'air heureux dans cet avion. Ils sont résignés, ils doivent se battre. Ils savent que la plupart vont mourir. Alors là, c'est un base militaire. La map est quand même assez grande. Ce sens où plus on est éloigné de. C'est un loyer du centre qui va se décider après. Plus vite on doit se dépêcher. À rejoindre la. Je vais m'éjecter ici d'ailleurs. Plus vite on doit se dépêcher à rejoindre le centre avant que la rampe se rétrécisse. Donc on doit voler des véhicules. Normalement ici il va y avoir beaucoup de monde donc. L'espérance de vie est vraiment faible. Hein. Vous savez, vous connaissez très bien mon skill légendaire qui frôle le zéro. Alors évidemment, je suis déjà resté accroché avec mon parachute. Donc au-dessus d'un toit. J'ai dû me décrocher, je suis mort parce que je suis tombé de la pièce. Voilà, on est tombé ici. Le but, de se dépêcher. Si j'ai un casque, un petit flingue, ça mange pas de pain. C'est mieux que rien, mais c'est un peu limite hein, ce genre de flingue, je vous le disais. Hein. Ça commence déjà à tirer. Hein. Il y a des spécialistes. Hein. Il y a des spécialistes. Donc on sait se mettre en vue première personne et en vue seconde personne comme je suis. Le jeu est toujours en développement. Donc le casque que j'ai ici c'est le casque niveau 3, le plus haut que je peux avoir. Mais... Parfois je me demande si ça sert réellement à quelque chose parce que... Alors... Voilà. Un petit pompe. Ok. Ok, et je vais me mettre en automatique. Toujours un peu de problème. Toujours un peu de problème à manipuler mon matériel. Donc normalement je dois chercher ici après un sac à dos. Alors petite astuce ici, pour équiper automatiquement les armes on fait clic droit. Clic droit sur les objets, ça se met directement. C'est faire ça aussi, chargeur rapide, on s'est ramassé quand il y a. Voilà.
vais regarder la map. Donc nous on est là, on est dans la zone évidemment ici. On a de la chance. Ça va pas m'empêcher de me faire buter assez rapidement, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas pour ça. Ne doutez pas de moi. Vous ne serez pas déçu. N'est-ce pas ça suffisant? Je peux soit rester là, soit sortir de la maison. Moi, je vais pas rester quand même qu'à le feutrer. Je vais aller à l'étage aussi. Vous voyez, il y a des pieds de biche, je vais trouver des vêtements. Ah, ici, j'ai pas assez d'espace malheureusement. Peut-être que je vais trouver un sac en... Avec le casque. Voilà, ça tire. Ça tire. Ça tire sur la gauche. Je sais pas si c'est quelqu'un qui est dans le même bâtiment que moi. C'est important, hein. Il y a juste d'avoir une mise à jour. Et les bruits ont été modifiés. Il y a des sons de bombardement aussi. On va descendre, on va essayer de sortir. Parce qu'on est en pleine zone rouge. Ouais, la zone rouge, là, c'est la zone de bombardement. Vaut mieux. Hein. Il y a plusieurs techniques, hein. Soit on se met au bord, on essaie d'avoir les gens qui vont revenir au centre pour éviter de se faire dégommer. Ouais. Des snipers aussi. Si j'entends un véhicule. Voilà, ici là-dedans, dans les bâtiments là, il peut y avoir des snipers un peu partout. Allez, je peux me faire shooter n'importe comment ici. Il y a une zone de bombardement, ça a pété. Oula, je veux quand même rester ici parce qu'avec ma chance, je vais me retrouver à avoir des bombes sur ma tête. Vous voyez là, il y a un véhicule. De temps en temps, il y a donc un avion qui va lâcher des colis. Avoir de snipe. Je regarde mon inventaire. Hop là. Le véhicule qui est passé. Je ne l'ai pas vu où. Je l'entends mais je ne l'ai pas vu. J'ai pas vraiment pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu là, c'est juste pour le fun. J'espère jamais gagner. Il y a des gens qui voient directement des petites personnes au loin. Je ne sais vraiment pas comment ils font. Hein. Donc la zone va se rétrécir bientôt.
Et il va y avoir une zone bleue qui va se mettre. Voilà, le grand cercle bleu. Ça va se rétrécir. Dans la zone de bombardement encore. Vous voyez, ça c'est toute ma chance. Hein. Toute ma chance. Voilà, on va sortir dans la zone de bombardement. Là-bas, il y a un bâtiment. On va voir. Mon meilleur classement c'était 9e. C'était un petit arbre. On va essayer d'aller voir s'il n'y a pas quelque chose qui traîne ici. Voilà, un sac à dos. Ça tire. Ouais, on s'est ramassé un petit pantalon. Hop, on va être équipé par halte de pantalon. Ah voilà, il y a un parachute qui vient de tomber là-bas. Vous voyez? Le parachute vient de tomber. Hop là, et on me tire dessus. Ça me fait même sursauter. Donc on va essayer de vite se cacher. Un petit putain de sniper. Fils de pute de sniper. Allez, ça tire. Ça, c'est beaucoup plus chouette de jouer à deux. Je sais pas pourquoi. Une poêle. Je ramasse ça. J'ai pas voulu, je voulais refermer la porte et la ramasser à poil. Hop, j'ai agi par balle. Voilà. J'ai un petit viseur. Je sais pas quand. Ah voilà, je vais cliquer droit dessus. Utiliser une trousse. Trousse de secours, voilà. Qui s'est champé dans le milieu de la map. On
clique deux fois sur le bouton droit, là on se met en visée. C'est que la molette je fais changer les armes de temps en temps, j'appuie dessus, c'est toujours mauvais moment que j'appuie dessus hein. Quand je dois me battre. Donc je dis qu'on peut jouer ici en duo. On peut jouer en duo ou en plusieurs, en escouade, je crois qu'ils appellent ça. Alors ça c'est rigolo comme jeu. Tout seul c'est bien aussi, mais on rigole moins quoi. Évidemment si vous êtes avec un collègue qui prend tout au premier degré, hein, c'est vrai que... Moi je fais ça pour le fun, donc il faut pas de gens. Il faut pas de gens qui prennent ça au premier degré. Hein. Blocage de la zone dans 5 secondes. Ça le problème ici, c'est que quand ça bombarde ainsi. Quand ça bombarde, on n'entend plus les bruits. Je suis en plein milieu de la zone. Donc à un moment donné, il y a quelqu'un qui va rentrer. Presque sûr. Donc ça, c'est une des techniques. Soit on reste retranché. Soit ben, on se met très loin de la map et on prend des véhicules et tout ça et on se poste en bordure de zone pour tuer les gens. Soit on va chasser, hein. On rentre dans tous les bâtiments, on essaie de faire des frags, hein, des kills. Hein. Voilà, des gens qui sont super doués là-dedans. Qui ont des techniques, faut les voir jouer, hein, c'est impressionnant. Des bombardements, il y a des gens aussi qui se mettent à proximité de la caisse et qui snipent tous ceux qui veulent aller dans la caisse parce qu'il y a du bon équipement dans les caisses en général. Donc on sait conduire des bateaux, des buggies, des jeeps et des Skoda. Des vieilles voitures pourries. C'est pour ça que vous voyez des bidons d'essence. Pouvoir faire le plein des véhicules s'ils ne fonctionnent pas, s'ils sont à court de carburant. Donc, des mises à jour régulières. Sur le jeu, le dernier ici a été une mise à jour son. Ils sont en train de se tuer entre eux. Ça peut venir de... Fait sursauter, ça peut venir de n'importe où, les snipes. Donc, j'imagine que s'il y en a qui passe devant
la fenêtre du bâtiment à côté, il peut me tuer direct. Hein. Avec un bon snipe. Regardez, ça se rétrécit encore. On est 31, je pense, encore. Septante qui se sont fait tuer déjà. Avec une bonne lunette de visée, évidemment, quand on la trouve, ça permet de regarder bien au loin et de sniper les gens qui arrivent par la colline. Voilà la différence avec la première personne, on voit beaucoup moins si on la met ici dans ce cas-ci. Tandis qu'ici, eh ben, si on se met près de la fenêtre, on sait voir mieux ce qui se passe à l'extérieur. Je suis en train de stresser. Ça tire.
vais devoir sortir. Si je me fais pas tuer ici. J'essaie de voir s'il n'y a pas des gens qui arrivent. Ouais. Ma fin est proche, les amis. Et voilà. J'irai me toucher une fois, mais... Donc voilà, vous avez vu. Évidemment, lui... plus habile que moi. Et il m'a bien eu. Moi, bon, je suis 7ème sur 96. Bon, vous voyez que mon jeu n'est pas terrible. C'est toujours assez frustrant de se faire avoir comme ça. Bon, moi je ne joue pas non plus toute la journée à ça. Bon, je me trouve pas d'excuses. Je suis quand même assez mauvais. Faut dire ce qui est. Je suis assez mauvais dans ce genre de jeu. Je préfère le mode Fallout, évidemment. Donc, alors ici. Vous savez vous mettre des vêtements différents, une casquette, gants, c'est les vêtements qu'on a avec les crédits qu'on obtient par le nombre de frags qu'on fait ou bien le classement. Ici j'ai apparence, mais je veux pas. Pourquoi est-ce qu'il m'a mis roux? Gros, je veux pas être roux, moi. Non. Non. Je ne suis pas roux. Je ne sais pas comment ça se fait que je me retrouve roux. Je suis vraiment affreux avec cette coupe. Ouais, d'ailleurs, Samy, hein. Samy. Que... Ok. J'ai jamais eu autant de sous pour... Il faut 3000, j'en ai jamais eu autant, je me retrouve avec une mèche folle. Roux, alors que tout est sur brun. Donc, peut-être un bug. Regardez. Regardez la sale tronche. Regardez-moi ça. Voilà. Assez rigolo. Merci les bugs, j'ai envie de dire. Donc voilà. Donc j'espère que ce petit gameplay vous a plu. Et bon, si vous hésitez à acheter le jeu, bah, moi je trouve qu'il est quand même assez bon. Mais seulement il est fort. Il prend beaucoup hein, quand même. Il prend beaucoup. Ouh. Beaucoup en énergie, donc faut avoir une bonne carte graphique ou mettre la résolution au minimum. Moi je l'ai mis en élevé, je l'ai mis en élevé, je ne sais pas, je ne vois pas, j'ai mis un ah voilà, c'est ça que je dois voir. J'essaie de vous montrer donc les réglages, mais justement mon logo qui se met compteur avec le temps de la vidéo qui se met. Voilà, donc ici je vous montre, voilà, donc ça c'est la qualité en élevé. J'ai mis la luminosité à 50, mais j'ai mis à 70 parce que parfois je passe dans les pièces avec des gilets pare-balles noirs, je les voyais même pas dans l'ombre. Voilà, le contrôle. Afficher carte, ça c'est à modifier, hein. Je vais essayer de la modifier à ma convenance.
On va pour les véhicules, frein à main. Avancer, reculer, à gauche, à droite. Boost pour aller plus vite. Par contre, je ne sais pas comment ce qu'on fait pour éteindre le moteur. Parce que je pense qu'on sait éteindre le moteur. Peut-être à cliquer sur le bouton qui sert justement à ouvrir les portes et tout ça. Peut-être que ça éteint le moteur. Son, voilà. Ma voix toujours. Équipé seulement. Canal vocal, oui. Donc, équipe seulement, c'est le mettre. Ou tout. Et là, quand on met tout, je crois qu'on entend vraiment. Parce qu'une fois, au début, je l'avais mis et j'entendais les gens parler en anglais. Donc, peut-être qu'on entend parler les gens quand ils se cachent dans les maisons. Donc voilà, on va se laisser ici pour ce gameplay. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à Twitch aussi, évidemment. Hein. Ça fait toujours plaisir d'avoir des gens qui vous regardent et qui vous suivent. Allez, à bientôt tout le monde sur le monde de Black Hawk.